Je suis Olivier Marquis, biologiste au Parc Zoologique de Paris et spécialiste des reptiles et amphibiens. Je suis Jérémy Lemaire et je suis doctorant à l'Université de La Rochelle en co-tutelle avec le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc ma spécialité, c'est l'écotoxicologie appliquée aux crocodiliens. My name is Rosanna Mangione. I am working at the Haus des Meeres Aquaterra Zoo in Vienna and I'm part of the herpetology department there. Donc ici nous sommes en Guyane française, plus exactement dans la réserve naturelle des Nourags et dans la station de recherche du CNRS au cœur de la réserve. La réserve naturelle des Nourags, c'est une zone protégée qui fait un peu plus de 100 000 hectares, 105 000 hectares. C'est un environnement qui est totalement préservé de toute activité humaine. On n'a pas le droit d'y rentrer, on n'a pas le droit d'y chasser, aucune exploitation des ressources à l'intérieur de la réserve. Et au sein de ces 105 000 hectares, il y a une zone de 9 000 hectares qui est autorisée à l'accès à des personnes extérieures pour la recherche. On va dans cette direction-là, on essaie de trouver un point culminant là et on voit si on détecte un signal. C'est ça, et puis on peut faire du repérage aussi pour ce soir, et pour les captures. Éventuellement. Alors depuis 2016, on travaille ici principalement pour comprendre le comportement du caïman gris. Donc c'est une petite espèce forestière qui est assez peu connue, voire même quasiment pas connue sur son mode de vie. Et donc là, on bénéficie d'un environnement privilégié pour pouvoir l'étudier de près. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte? Comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est menacé? Pas menacé? Donc il y aura un volet sur tout ce qui est écologie des caïmans, en règle générale. Un volet sur la contamination au mercure, parce qu'en Guyane, il y a de gros problèmes de contamination au mercure liés à leur paillage. Et à ça, on a dose de la physiologie pour voir quels sont les impacts justement de cette contamination sur tout ce qui est reproduction, est-ce qu'il y a des impacts sur ses organes, est-ce qu'il va mourir plus vite. Le caïman va manger des prédateurs qui eux-mêmes ont mangé des proies, qui eux-mêmes auront mangé d'autres proies, qui eux-mêmes auront mangé des plantes. Et donc finalement, le caïman, au bout de la chaîne, lui, il accumule tous les polluants qui ont été individuellement stockés dans toute la chaîne alimentaire qui est en dessous.